La nuit s'est emparée de Belgrade. L'atmosphère est étrange autour de la halle Pionir. Un calme relatif, consenti, comme si le temps était suspendu. Comme un sprinteur qui coupe sa respiration en attendant le coup de feu du starter. Le pas assuré, Léo Westermann descend vers la salle. Ce soir-là, le Partizan Belgrade défie un géant du basket européen, le FC Barcelone. Tu peux t'imaginer, mais tant que tu ne l'as pas vécu, c'est indéfinissable, quoi. C'est ce que ce jeune Alsacien de 20 ans est venu chercher à Belgrade, s'enfoncer jusqu'aux racines du basket, là où ce sport a vu naître les talents les plus purs, bercés par une fièvre parfois exaltante qui révèle les personnalités. Le Pionir est plein jusqu'à la gueule. Ici, on ne vient pas au spectacle. Les 10 000 supporters serbes en noir et blanc clament avant tout leur passion fusionnelle pour ce partisan, symbole du basket de l'ex-Yougoslavie. Après deux saisons en Pro A à Villeurbanne, Léo Westermann a donc fait le grand saut. Un saut dans le vide, disent certains, dans cet univers enivrant, mais parfois destructeur. En fait, en 6 mois, ce meneur de 2 mètres, à la fois directeur du jeu et scoreur, est devenu le patron de cette équipe de 21 ans de moyenne d'âge, comme si un sang noir et blanc lui coulait dans les veines depuis toujours. 1 minute, pas plus, pour s'en convaincre. Cette minute où le match bascule et où le Barça est poussé à la prolongation. Il y a d'abord cette passe osée, mais décisive, pour permettre aux partisans de revenir à 3 points du monstre catalan. Et puis, il y a cette séquence défensive à faire brûler le ventre et les jambes pour tenter de déstabiliser le maître Jakubisius, meneur de légende, qui sait pourtant résister à toutes les pressions. Et enfin, au bout de cette course, il y a cette courbe si bien dessinée comme un trait de génie. Tu rentres et le public, t'as juste envie de tout donner, quoi. T'as l'impression que tu peux crever sur le terrain, ça sera pareil, quoi. Quand tu joues dans cet état d'esprit avec l'équipe, tout peut arriver. Ce qui est arrivé contre Barcelone, on perd de 1 point, mais on a la balle de match. C'est frustrant d'un côté, mais d'un autre, ça te fait progresser à une vitesse fulgurante. Le match est terminé depuis 10 bonnes minutes. Et pourtant, le Pionir, encore chaud, ne s'est pas vidé ni refroidi. Il célèbre les siens comme pour fêter une victoire. J'ai pas attendu longtemps quand Partizan m'a fait l'offre. Un meneur titulaire en Euroleague à 20 ans. Je sais pas, tu peux pas refuser. Comme pour certains qui veulent aller en NBA, d'autres dans le championnat espagnol, tout ça, moi, Partizan, ça fait partie d'un de mes rêves, entre guillemets. Ce rêve prend forme à Haguenau, chez lui, en Alsace, puis il y a 7 ans, à l'INSEP, où Léo et Evan Fournier, qui lui a fait le choix de la NBA à Denver, sont les leaders de la génération 92. À l'INSEP, ils sont couvés par Jackie Comer et Tahar Assed, qui tout de suite ont cerné chez Léo Westermann cette capacité à penser, à diriger, à éclairer le jeu. Il était très orienté par la connaissance du jeu, l'intelligence du jeu. Comment rendre les autres meilleurs? Il comprend très, très bien le basket. Vous avez des très grands musiciens. Quand on les voit comme ça, ils ont l'air de rien. Mais c'est des très grands musiciens. Et lui, peut-être qu'on se dit comme ça, mais sur un terrain, ce qu'il fait, c'est toujours très, très juste. Très, très juste. C'est pas quelque chose qui m'étonne maintenant, parce qu'il le faisait déjà. Si on voit des matchs en Benjamin ou en Minim, il était déjà comme ça. Il était comme ça. Il n'était jamais égocentrique. Il était toujours là pour rendre les autres meilleurs, pour donner avant de se servir.
Belgrade, au cœur de cette région du monde qui a bien failli s'autodétruire et où les cicatrices des années 90 restent volontairement visibles. Ce pays où le sport peut déclencher les résurgences des haines les plus nationalistes, mais aussi faire éclore des champions au sang chaud, au regard froid, à l'image du pays, imprévisible. En Serbie, le basket est le sport national, porté par ses deux symboles, le Partizan et l'Étoile Rouge de Belgrade, qui écrivent leur histoire dans cette même salle du Pionir. La veille, l'Étoile Rouge avait reçu Galatasaray en Coupe d'Europe. Les tribunes s'étaient déchirées. Ce matin, place aux partisans, avec un cours particulier pour Léo Westermann et le coach principal, Duško Vujosević. Više se drži na ova tri prsta. Zbog toga radimo sad. Il y a plein d'exercices qui le font rendre unique. Je sais pas, il m'a fait shooter avec des gants de chantier. Ça peut paraître un peu bizarre, etc. Mais c'est un coach à part, c'est sûr. C'était aussi l'objectif de Léo, travailler un jour avec Vujosević, à la fois empereur tout-puissant, père protecteur, guidé par un seul mot d'ordre. La rigueur, le souci du détail, le placement, la répétition. Tout est multiplié, on va dire. Répéter sans cesse les mêmes gestes, comme à l'école de basket, comme à l'INSEP, se dire que jamais rien n'est acquis. Voilà 20 ans que Duško Vujosević enfonce le clou pour faire jaillir le talent. Tim ponavljanjem razvija se automatizam, tim ponavljanjem razvija se karakter. Opet kažem da oni koji naporno treniraju nisu spremni lako da izgube. I prosto smatram da ko provede više vremena na parketu ima bolju šansu. Ce jour-là, ce jeune Hongrois restera assis sur sa chaise pendant une heure pour enchaîner inlassablement le même mouvement. C'est le quotidien des basketteurs du Partizan. 6 heures d'entraînement par jour, 3 le matin, 3 le soir, parfois jusqu'à 23 heures, avec des prolongations inattendues, celles qui forgent le caractère quand la fatigue domine le mental. J'arrive à l'entraînement optionnel. Et là, il nous regroupe et il nous dit « Bon, vous pouvez partir quand vous avez mis 1000 shoots à 3 points. » 1000 shoots à 3 points marqués, c'est... C'est énorme, quoi. J'ai mis 3h30 plus une heure d'entraînement, donc 4h30 ce matin-là, entraînement optionnel. Voilà, fin d'entraînement, je ne pouvais plus lever mon bras. Mais bon, donc c'est pas seulement une éthique de travail de joueur, je pense que c'est une éthique de travail du club et de la Serbie en général, parce que je ne sais pas si dans un autre pays il y a énormément de coachs qui resteraient 4 heures à faire les passes à un shooter. Quoi. Donc je pense que c'est général. Ce n'est pas seulement appliqué à des joueurs, c'est appliqué à tout un club. Just think I'm going to make that. Don't be intention, don't be nervous. I'm going to make. I didn't go the absolute concentration. So full focus, 5 minutes. Nous treba vode mal. Need water? Okay. C'est comme un deuxième père. Il est juste. Il veut tirer de toi le maximum. Il a totale confiance en nous et nous on a totale confiance en lui. Pas de progression sans confrontation, les face-à-face, yeux dans les yeux, à celui qui baissera le regard en premier. Ce sont également les enjeux des chocs partisans étoiles rouges. Ce sont des musts en prime time, le dimanche soir, qui tiennent le pays en haleine, car ils exacerbent les sentiments. La finale de la dernière Coupe de Serbie, disputée sur terrain neutre en février dernier, en sera un nouvel exemple. Ça s'est surtout senti sur les premières minutes de la deuxième mi-temps où on prend 2 points en 6 minutes, on,
On joue très dur, il joue très dur, ça commence à mettre des coups. Et la tension s'installe au moment où le Partizan commence à grignoter son retard sur l'Étoile Rouge au milieu du troisième quart-temps. Le score est alors de 43 partout. Geoffrey Lauvergne, jeune pivot français de 2m10, arrivé à Belgrade début janvier, découvre alors la fureur du derby. J'ai entendu des coups de feu. Les supporters de l'Étoile Rouge qui commencent à essayer d'envahir le terrain. J'ai vu des mecs qui rentraient sur le terrain, qui se faisaient matraquer par des CRS. Ils ont chopé un supporter, ils l'ont foutu à poil, ils ont brûlé son t-shirt. The t-shirt being burned and I was watching everybody, you know, start to get more and more aggressive and more angry. I think it was like blue smoke bombs or something like that got thrown onto the court. It was wild. Ils ont jeté un extincteur sur le terrain aussi, je savais pas que ça faisait autant de fumée. Un extincteur en marche, ça fait de la fumée partout. Non, franchement, c'était monstrueux. Les autorités et la fédération, incapables de ramener le calme, décident alors d'arrêter le match et de faire jouer les 14 dernières minutes le lendemain à huis clos. Un combat qui finalement sera remporté par l'Étoile Rouge. Cette ferveur pour un club, c'est inconnu pour nous en France. Donc voilà, je voulais voir ce que c'était aussi et je suis vraiment pas déçu. Le calendrier propose immédiatement une revanche, 7 jours plus tard, cette fois-ci en championnat. Et au Pionnir, avec les vestiaires côte à côte, évidemment, Partizans et Étoiles Rouges vont se croiser tout au long de la semaine. Now you can't get me on the camera when the quarters are playing. No, I'm just playing. They he's not making change the rules. Le basket à 100%, Léo Westermann est venu pour ça, à la recherche de l'adrénaline qui transpire dans cette salle pionnière, avec comme chef d'orchestre Bujošević, qui sait réveiller les consciences et à sa manière poser les enjeux. Tu sais que quand il gueule dessus, c'est pas pour te descendre, mais quand c'est pour te faire progresser. Čim prilazi u zonu, čim on te prilazi agresivno. Pogotovo kad ističe vreme, nećemo pustimo šut u pičku. Ja njima žestu govorim da je tim kao posada podmornice, jedan pogreši, svi su mrtvi. Et pour ne pas couler, le sous-marin a besoin de ses meilleurs marins. C'est pourquoi, deux jours avant le match, le coach a demandé à Davis Bertrand, son shooter letton, de s'offrir des heures supplémentaires. Après 2h30 d'entraînement collectif, il doit finir par une série de 10 tirs à 3 points marqués consécutivement. Normalement, une formalité pour cet ailier de 2m08, promis au plus bel avenir. Pourtant, la séance va tourner à la torture. Des fois, ça prend 5 minutes, mais des fois, il suffit que ce soit pas un bon jour, ça prend 1h30 après un entraînement de 2h30, quoi. C'est surtout un aspect mental. Quand tu arrives à 7 de suite, tu loupes le 7e. La série d'après, tu arrives à 8, tu loupes. Il y a une remise en question, un travail perpétuel. Il est 13h30. Bertrand est au bord de l'épuisement physique et mental. Une heure qu'il a commencé sa série sans réussite. Alerté, Bujošević vient aux nouvelles. Treći, na četiri, peti, ovako. Ponavljanje doši, falsfera mesta. Ima
Ima bilo kakav razlog da budeš nervozan? Gledajmo. Sad će donese ovaj neke sokove, toga, popim pa i stavit. They said that I have time till 2:30. 45 more minutes. I have to finish it before. And the evening practice was, I think it was 7. That's like, that party done. Yeah, but you're gonna pay off one day. 14h30, sauvé par le gong, le supplice s'arrête là. Bertrands n'aura jamais réussi à enchaîner 10 paniers à 3 points de suite. La semaine précédente, à l'entraînement, avec 17 shoots consécutifs à 3 points, il avait pourtant battu son record. Inédit dans la saison pour cause de derby et pour ne pas arriver seul au Pionnier, les joueurs se rassemblent à l'extérieur de la ville, au stade de foot du Partizan. De là, ils prennent un bus pour rejoindre leur salle en toute sécurité, qui ce soir-là sera celle de l'Étoile Rouge et de ses fans. Ce sommet se jouera donc en terrain hostile. Dorénavant, les derbies se disputent sans les supporters du camp adverse. Seules 30 invitations ont été distribuées aux fans du Partizan. Comme toujours, 17 minutes avant le coup d'envoi, le coach apparaît. Cette fois-ci, il ne sera pas acclamé. Pa ja jednim od svojih najvećih uspeha smatram što me toliko mrze navijači Zvezde. C'est pire qu'un PSG-OM parce que c'est dans la même ville. Donc, c'est incomparable. Malgré un début de match favorable à l'Étoile Rouge, le Partizan va gérer la première mi-temps de ce sommet et très vite y poser son empreinte, emmené par un Davis Bertrands de feu qui se souvient que deux jours auparavant, il avait enchaîné des centaines de tirs à trois points. Finalement, pas pour rien. Les Noirs vont compter jusqu'à 13 points d'avance, mais dès le début de la deuxième période, les Rouges vont revenir dans une bataille acharnée qu'ils vont finalement remporter de 8 points. Le derby échappe une nouvelle fois aux Partizans. En osant se mettre en danger, Léo Westermann s'est endurci dans des séances d'entraînement interminables, dans des matchs à haute tension toutes les semaines. Convoité maintenant par les plus grands en Europe, observé de près par la NBA et une équipe de France qui pourrait bientôt lui ouvrir ses portes, le pari semble gagné. Le destin de Léo continue de s'écrire. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Être meneur titulaire dans une grande équipe. Donc je trace ma route, entre guillemets, comme j'ai envie de le faire. Et je pense que c'était le meilleur choix possible en venant ici.